Justin Lespinet, je travaille chez Reforest Action depuis un an. Je suis responsable des projets forestiers de la moitié sud de la France. Reforest Action, c'est une entreprise à vocation sociale dont le but est de restaurer les forêts à travers le monde via la plantation participative d'arbres. Le partenariat entre Citram et Reforest Action a permis ici d'injecter des fonds pour le reboisement de cette parcelle. Ici, donc, on se situe sur la pointe ouest de la Montagne Noire, sur la commune de Verdal. On est donc sur un peuplement qui a été victime de scolytes. En fait, c'est un insecte qui mange le bois. Donc, il a été important de couper cette parcelle pour replanter dans différentes essences et rétablir un écosystème forestier sur le long terme. Les enjeux de ce projet, c'est vraiment de diversifier le massif de la Montagne Noire, qui jusque-là était principalement boisé en épicéa. Et l'idée, c'est vraiment de récupérer des écosystèmes forestiers qui soient résistants et résilients, à la fois aux aléas climatiques qu'ils peuvent avoir, mais aussi aux attaques d'insectes comme le scolyte, mais il y en a d'autres. Sur ce projet, donc, il a été planté du Douglas principalement, et également du pin laricio et du hêtre. Ces arbres-là ont été plantés pour une question d'adaptation de ces essences à la station, donc selon le régime hydrique, l'approvisionnement en eau de ces parcelles, leur exposition, et apporter aussi des feuillus pour maintenir des corridors écologiques. Le projet qu'on a visité aujourd'hui porte sur 5,3 hectares, ce qui correspond à peu près à la plantation de 6000 plants. L'engagement de Citram auprès de Reforest Action permet la restauration des écosystèmes et le maintien de la biodiversité en France. Grâce à nos partenaires comme Citram, Reforest Action a déjà pu planter plus de 11 millions d'arbres dans le monde.